A-M-O-U-R. Pourquoi est-ce qu'il faut détacher toutes les lettres, Calogero? Parce que l'amour, ça peut être, comme mes parents, par exemple, toute une vie, 64 ans d'amour. C'est pas donné à qui veut, ça c'est une phrase de Marie sur une chanson qui s'appelle Dénouement heureux. L'amour, ça peut être un an, cinq minutes, un regard. Ça peut être plein de... Moi, j'ai aucune leçon à donner sur l'amour, mais j'aime bien en parler. Et peut-être qu'en chanson, j'ai besoin de l'avoir vécu pour en parler très sincèrement. Contrairement à d'autres chansons où je me suis mis dans la peau de quelqu'un d'autre, par exemple, J'ai le droit aussi, qui est une chanson contre l'homophobie. Et voilà, j'aime aussi me mettre dans la peau d'un personnage. Mais pour chanter l'amour, je ne l'ai pas souvent chanté. Alors, ce n'est pas un album que sur l'amour. Mais cette chanson-là, en tout cas, la chanson A-M-O-U-R, c'est un peu comme un slogan et qui parle de, justement de l'amour qui n'est pas que lisse. Pierre. À chaque album, vous invitez un auteur. Cette fois, c'est Marie. Marie Poulain, vous nous la présentez, cher Calo? Tu veux pas te présenter, Marie? C'est à moi la tâche de me présenter. C'est dur de se présenter. Bon, je vais me présenter. J'ai 25 ans. Mmh. On dirait un speed dating. Oui. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai toujours en fait griffonné des choses dans mes cahiers. J'ai toujours instinctivement fait des poèmes, des chansons. J'ai toujours eu des musiques dans la tête. J'arrivais jamais à m'arrêter de fredonner des trucs. Et d'ailleurs, ça embêtait un peu les gens sur mon travail parce que je suis mannequin aussi. Mmh. Et ça m'a jamais empêché de chanter, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais c'est aussi un choix de voix, parce que la composition de vos deux voix, la tienne étant déjà connue du monde entier, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que ça colle bien. Ouais, merci. C'est vrai que c'est parfois, on nous dit souvent parfois qu'on a la même voix. Enfin, les voix se confondent parfois. Ouais, ouais. Et parce que Marie a une voix assez masculine. Et moi, je trouve sa voix magique, en fait. Et c'est vrai qu'on fait des chansons tous les deux très facilement. Et c'est assez rare de trouver un parolier ou une parolière qui... moi, je fais souvent mes musiques avant. En fait, Marie écrit comme ça directement sur les mélodies. Et parfois, quand j'ai pas envie de chanter, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle prend le micro et elle place. Et voilà. Ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai que je suis inspirée quand on travaille sur le moment directement. Il y a tout de suite des mots qui viennent, c'est vrai. C'est pas tout le temps comme ça. Ouais. J'ai lu que vous aviez composé cet album sous l'influence de musique de film en général et inspiré particulièrement par le duo Francis Lai-Claude Lelouch. Alors, on va voir un petit extrait où on entend la BO du Voyou. Et on va voir Francis Lai et Lelouch, et vous nous direz pourquoi après. Il ne vous est jamais venu à l'idée de faire un film sans musique? Non, pas encore, non. Ce serait une mauvaise idée. Hein. La musique a un pouvoir émotionnel formidable. Et dans les séquences d'émotion, elle nous fait gagner un temps fou. Je veux dire, si on n'avait pas la musique dans un film, il faudrait peut-être une heure de plus pour expliquer ce qu'on a envie d'expliquer. Alors, pourquoi la musique de film? Pourquoi Lai Lelouch? Déjà, c'est troublant parce que Claude Lelouch ressemble aux gens de ma famille. Ah. Il ressemble à Mauricie. Et voilà, ça c'est un détail, mais moi, c'est un détail qui me touche. Et je crois que ces films et la musique de Francis Lai, elle est dans mon ADN. Je me rappelle de le début des... Les étoiles du cinéma avant le film de 20h30. Mmh. J'avais à moitié le cafard parce qu'il y avait école le lendemain. Et ce générique, ça faisait... Tan, 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 ah oui. Tan, 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 c'était magnifique. Tan, tan. Et ça, c'est Francis Lai. Oui. Et cette musique-là, je crois qu'elle m'a bien plus inspiré que certains chanteurs, avec bien sûr la musique de Morricone. Et en fait, la musique de film et la musique des génériques des années 70 se balade un petit peu dans toutes mes chansons, et particulièrement dans le hall des départs, je trouve. Mmh. Et voilà. C'est vrai. Elle est très belle, cette chanson, donc on a très envie d'entendre l'album. Hein. On est un peu pressé. Vous ne pouvez pas avancer la sortie? Non, on ne va pas avancer la sortie, mais j'ai très envie de trinquer avec vous et de boire un verre de vin blanc. À boire avec modération. Voilà. Ouais. À l'album de septembre, à vous deux.